Il ne s'agit pas d'un entraîneur de football qui s'adresse à ses joueurs, c'est plutôt le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Kinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin, qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue des poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant.
déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la liberté, à Pascal, à Kingasani en Souka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. On l'a chargé, on l'a tenté. On l'a chargé. On l'a chargé. Général Kasongo Maramao sala na biso o ezapo na terre na biso. Bakaya ba roulage na nzela pona kosala makambu esengi ba sala. Bango bakoma kosala makambu oyo batindaka bango te. Comment yo kola balabala mu sensa aleki bazange lo ngote utiki ya Kenya sala kate. Ataka makambu o tisuka. Makambu so ezapo e papa au mena na ye. Parce que bango na mutu asali mabe. Asali mabe te ay mena na ye. Commandant. Yon de l'ombiette. Il n'est pas du Kanyaka. Oui, on pourrait voir.
Au finish, Silvano Kasongo a arrêté 35 policiers, PCR compris. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kasongo sanctionné, ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Général, général. Thank you.